Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, docteur Arruda. Bonjour. Docteur Arruda, les derniers mois ont été bien particuliers pour tout le monde entier, pour le Québec en particulier, pour les milieux de travail. Tous les milieux de travail ont été chamboulés, tous les milieux de travail ont dû se transformer. Ils se sont franchement très, très bien adaptés. Employeurs, travailleuses, travailleurs, vous avez fait du bon boulot. Oui, c'est vrai que les gens ont fait d'excellent boulot parce que le coronavirus est toujours présent. Il ne faut surtout pas maintenant lâcher la garde. Il faut agir ensemble plus que jamais. Il faut maintenir les consignes sanitaires pour tous et s'assurer de prendre des mesures nécessaires dans vos entreprises et vos organisations. C'est la meilleure façon de protéger les travailleurs et les travailleuses, les clientèles, du même coup, toute la société. Pour encourager tout le monde à poursuivre ses efforts collectifs, la CNESST a lancé en juillet dernier la charte d'engagement à combattre le coronavirus en milieu de travail. Avec cette charte, nous voulons créer un mouvement de solidarité au sein des milieux de travail afin que tous soient mobilisés dans la lutte contre la COVID-19. Chaque signature, c'est un engagement symbolique à agir concrètement durant cette période difficile. Je l'ai signé, les représentants patronaux et syndicaux l'ont signé, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, l'a signé, et vous-même, Dr Arruda, vous l'avez également signé. Merci. Oui, et je l'ai fait avec fierté en tant que directeur national de santé publique et membre du conseil d'administration de la CNSST depuis quelques années à titre d'observateur. Signer la charte, c'est un geste qui est fort de sens et qui, je l'espère, encouragera la population à se mobiliser autour de la cause. En effet, c'est pour cette raison que nous voulons vous inviter à signer à votre tour cette charte. Que vous soyez travailleur, travailleuse, employeur, signez la charte. Oui, parce qu'il est essentiel que les milieux de travail continuent d'être proactifs, d'être des modèles de lutte contre la COVID-19. Alors, parce que la clé, c'est le dialogue social qui a aidé à mettre en œuvre des solutions durables fondées sur l'unité, la solidarité, la coopération. Et parce qu'on ne doit pas lâcher, c'est le temps plus que jamais d'agir collectivement, ensemble, côte à côte, pour la sécurité et le bien-être des Québécois et des Québécoises. Pour signer la charte, rendez-vous sur le site web de la CNESST. Soyez-en fiers, affichez-la dans votre milieu de travail. Invitez également votre personnel, les collègues, les gens qui vous entourent à la signer. Oui, bien entendu, on a besoin de l'effort de tous pour battre le COVID-19. Joignez-vous au mouvement et créez une différence dans votre milieu de travail en signant dès aujourd'hui. Merci. Merci.